CIST, une vidéo inquiétante que Bella Hadid a dévoilée sur les réseaux sociaux. En effet, le top model s'est filmé avec le visage très gonflé. Souffrant de la maladie de Lyme, la mannequin a dévoilé les symptômes de ce mal. Elle évoque dans un premier temps une infection sous une dent qui lui cause beaucoup de douleurs. Le lien avec Lyme? La maladie a tendance à s'attaquer aux dents et à la mâchoire et fait subir des dommages aux intestins, au cerveau, à la colonne vertébrale, aux os. Oh, et tout le système nerveux, commente-t-elle. N'importe quel traumatisme du corps, qu'il soit physique ou mental, peut provoquer une poussée de la maladie de Lyme, poursuit Bella Hadid. Ainsi, en fonction de ce qu'elle ressent à l'instant T, la maladie va s'attaquer à une partie de son corps. Lorsqu'elle se sent stressée, CIST par exemple sa mâchoire qui la fait souffrir. Certains jours, ça va. D'autres sont difficiles. Mais quand ma mâchoire et mes nerfs ont commencé à faire mal de façon agressive, la douleur est passée de 0 à 100. La mannequin tente malgré tout de voir le positif, je vais bien. Je vais me faire retirer cette dent qui me fait souffrir, et soigner l'infection. Je crois bien n'avoir jamais été aussi excitée à l'idée d'aller chez le dentiste. Sa mère et son frère également touchés et malheureusement dans la famille de Bella Hadid, sa mère et son frère sont aussi touchés par cette maladie. CIST très dur pour elle, avait confié Yolanda, sa maman à Good Day New York. CIST difficile d'imaginer que cette superbe étincelle qui fait la couverture des magazines souffre comme elle souffre. Elle est toujours fatiguée. Elle peut dormir 10 heures et dire en se réveillant je suis encore fatiguée. Les plus jeunes qui sont atteints de la maladie doivent faire face à l'anxiété, à de sévères coups de fatigue, aux douleurs articulaires, aux symptômes de grippe, et ça ne s'arrête jamais. À propos de l'autorolle passionnée de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame. Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des